Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors comme vidéo aujourd'hui, je vous présente comment je vais vous montrer comment débrider la trottinette électrique YIPMI M80 de cet écran-là avec les roues pleins, je vous montre hein, parce qu'il y en a deux apparemment, il y en a une première avec des roues gonflables, voilà. Donc voilà, je vais vous montrer comment débrider la trottinette électrique YIPMI qui roule à 30 km/h au lieu de 25. Donc c'est tout simple, vous restez appuyé sur l'accélérateur en fait, vous restez appuyé comme ceci, vous restez là et vous appuyez sur le bouton pour changer les vitesses. Pensez bien mettre la vitesse à 3, 25 parce que si vous le faites le débridage sur la première vitesse, ça va débrider la première vitesse. Et après si vous changez de vitesse, ça va enlever le débridage. Donc ce qui fait, vous serez obligé de recommencer. Donc vous restez appuyé sur ce bouton-là en même temps que vous restez appuyé sur l'accélérateur comme ceci, comme je vous montre. Voilà. Et puis là maintenant, je vais vous montrer la preuve. Je l'ai déjà débridé, comme ça m'évite de le faire. Voilà, je vous montre la preuve qu'elle roule à 30 km/h, alors que normalement elle roule à 25. C'est grâce à un petit youtubeur qui m'a montré comment débrider, parce qu'en fait il a 5 abonnés, alors je me suis abonné à sa chaîne quand même, parce que grâce à lui je peux rouler à 30 km/h au lieu de 25, et quand on était dessus, en sachant on roulait quoi, 22, 23, c'est pas trop de vent quoi, donc voilà. Donc là je l'éteins devant vous, je vais vous prouver. Là elle est éteinte, je la rallume, voilà. Là, je vais vous montrer que ce n'est pas des conneries. Alors, pensez bien, quand vous êtes en mode piéton, que vous débridez la trottinette électrique, et ben, ça va débrider juste la première vitesse. Elle va rouler genre à 16 au lieu de 15, au lieu de 10 km/h. Et c'est pareil pour la vitesse 2. Hein. Elle va rouler à 25 au lieu de 20, quoi. Alors, pensez bien, quand vous débridez votre trottinette électrique, et ben, vous restez en vitesse 3. Comme ça, elle va rouler à 30, et puis comme ça, c'est mieux. Parce que si vous changez de vitesse, et ben, automatiquement, vous serez obligé de le refaire parce que ça va enlever. C'est juste une sécurité, enfin voilà, enfin peu importe quoi. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer, c'est tout simple. Et comme vous savez tous, elle roule à 25 km/h. Vous voyez? Voilà, je vous ai donné la preuve. Donc c'est tout simple. Hein. Comme vous savez tous, je vais vous remonter encore une deuxième fois, mais sauf qu'elle est éteinte, donc ça ne marchera pas. Vous restez appuyé sur l'accélérateur comme ceci, je vous remonte une deuxième fois, et vous restez appuyé sur le bouton de changement de vitesse. Voilà. Et vous comptez pendant 20 secondes. Et surtout, pensez bien à ne pas oublier une seconde, parce que si vous oubliez une seconde, eh ben, ça ne marchera pas, vous êtes obligé de recommencer. Donc vous restez appuyé sur l'accélérateur et sur ce bouton-là pendant 20 secondes, et puis après, c'est bon. Allez débrider votre trottinette électrique. Donc voilà, ceci dit, c'était la fin de cette petite vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, à liker, à partager si ce n'est pas encore fait. Et puis, je vous souhaite de bons rails à vous.